on avait fait fructifier notre flotte en vue d'un second conflit. Alors que je vous remette le bon écran, ce sera plus simple. Alors du coup, on était en train de monter, on était passé à peu près 200 navires à quasiment 400, un peu plus de 400 à venir. Donc avec une flotte de 100 navires lourds et de 10 galères, une autre flotte du coup qui atteindra rapidement les 100 navires aussi, les 100 lourds, dans un but de contrer un éventuel conflit avec l'anglais et d'aller lutter avec lui, le français et notre allié, notre pupette la Frise, pour tenir un peu la dragée haute à la marine anglaise. On s'était préparé aussi à la guerre avec l'Ottoman, on avait du coup nos deux corps d'armée d'infanterie avec nos généraux 2 et 3 étoiles, deux corps complets d'artillerie et un corps en construction d'artillerie. On avait laissé sur la capitale un dernier général 4 étoiles avec 42 000 hommes en cas de débarquement ennemi. Reste à voir maintenant comment se passera la guerre contre notre cher ami anglais. On avait aussi réformé complètement notre stratégie commerciale, puisque du coup on a toujours du transfert, on transfère toujours, on a 100% sur le nœud scandinave, du coup on transfère tout vers Lübeck, et vu qu'on a plus de 85% des revenus sur Lübeck, on a réformé notre commerce pour aller gagner énormément d'argent, pour enfin entretenir notre marine qui commence à nous coûter très cher. On va pas perdre beaucoup plus de temps ce soir, on va aller rejoindre les autres, puis se déplacer dans les salons, et on se retrouve rapidement. De toute façon, quand tu vois déjà ce qu'il y a sur Warhammer 1 et Warhammer 2 en faction, je trouve que c'est déjà pas mal complet, quoi. Ah mais je pense, le 3 verra les hordes du chaos avec des mécaniques un peu spécifiques. Très honnêtement, ce sera pas mal. Hein. Bah, les 4 dieux, il était temps qu'ils les mettent, hein. Parce qu'en fait, ils auraient dû mettre les 4 dieux à voir Caon, en fait. Tout le monde est là ? Oui. Bon, bah si tout le monde est prêt, si tout le monde a lancé son live, et bien allez. Allez, go. Go. Ouais. Bah, tout le monde a... Enfin, il y en a 4 qui ont mis OK, déjà. On se déplace dans des salons spécifiques, ou vous voulez qu'on s'amuse à rester tous en général ? Je sais pas ce qui est prévu pour ce soir, donc autant se mettre dans nos canaux, et puis... Allez. Jusqu'au début de la guerre qui arrivera peut-être un jour, on peut rester ensemble. Tais-toi. Allez, je suis là, mon petit œuf. Je fais juste un petit changement pour avoir le bon salon sur... T'as envoyé les... Ouais, j'ai vu ça, j'ai accepté. Merci bien. Ouais, c'est vrai que ma marine me coûte une blinde hein, en termes de... Bah, t'as pas un truc comme 400 navires hein. Bah, là, j'arrive à 414. Et avec un bon paquet de lourds, du coup ça va le faire, hein. Y a absolument aucun problème là-dessus, mais... Et ouais, ma marine à fond, elle me coûte 167 ducats. Ouais, ça va encore, hein. Ah non, t'as dit 160. Ouais, 167 ducats par mois... Oui. Ouais, là ça commence à piquer. Effectivement. Elle a un peu doublé la maintenance de mon armée en étant enfant. Ah, moi c'est l'avantage, j'ai pas de bateau. Donc je peux me concentrer sur l'armée, quoi. Bah, c'est vrai que jusque-là j'avais pas. Enfin, après j'avais une bonne marine, hein, mais j'avais pas mis. Allo, allo, on m'entend ? Oh, Vona ! C'est la première fois qu'on entend sa voix. Il a l'accent russe en plus. Pour moi. Le fameux accent russe. Eh ben c'est parfait. Du coup, moi j'ai mes armées à la frontière avec la Bohême. Je peux me recouvrir un peu ailleurs sur le territoire bohémien, mais je reste une province en retrait pour pas me montrer vis-à-vis de l'Ottoman. Ouais, tu fais pareil dans le Caucase. Moi j'ai 200 000 à la frontière à Calais, à côté de Calais, et j'en ai quasiment autant à côté de l'Espagne. J'ai 80, 100 000. Je rentre en commerçant. Moi je suis en train de virer mes bateaux. Tu fais 141 navires dans la Manche, ils vont couler. Hein. Ouais, mais je les enlève là. Ils sont justement en train de partir à Méditerranée. Même chose pour la Scandinavie. Oh ouais, je vais les faire rentrer moi. Ah mais je viens de voir, mais valeur commerciale du nœud la Manche, c'est abusé. Il est développé son nœud. Ah oui, mais ça faisait un moment que je l'avais pas vu, 609. Mmh. Et t'as 55 000 hommes Ah non, mais je suis pas allé avec toi en fait, moi, c'est vrai. Donc, ouais, parce que... On pourra pas s'allier avant un moment. Voir jamais, je pense. Vu
le peu de temps qui reste. Ah, bah, ouais, moi, j'ai réussi à me réallier malgré nos moins 200 de relations. On a fait ouais, mais nous, on a... Oui, mais nous, moi, je suis à moins 390 avec l'expansion agressive sur la WM. Donc, Comment ça se fait que... Ah ouais, puis t'as aucun moyen de parce que bah, c'est parce que j'ai blobé. Parce que... Ouais, ouais, il a... Les guerres continuent ouais. contre l'Ottoman. Hein. C'est vrai que je fais subir... je fais toujours subir l'embargo... à la Grande-Bretagne. Bah, Vona, il faut que tu mettes OK si t'es OK. Ah oh, oui, merci, moi. Pardon. Putain, il perd un sacré paquet. Hein. Il a 4 embargos sur les fesses, l'anglais. Ouais, il a 243 navires moyens. Ouais, ouais, ouais. Après, il a autre chose. Hein. Il a 100. Oui, je m'en doute bien. Il a un bon général, l'anglais. Hein. Ouais, son 3 étoiles là, ce 6-6-3-1. Ouais. Ah, j'ai le même. Là, j'ai un 6-4-0-0 et un 6-4-3. Moi, j'ai un 5-4-6-4. Presque le même. Mon 6-6-4-3 là, il est très bien. 4-6-4 là. J'ai des quoi moi quoi. Des 2-3-4-4. C'est mon. La frise 4, là, 3, il 4, a, 4, ils ont 1. Un 6-3-4-0 et un 2-5-2-2. N'oubliez pas de changer vos politiques aussi. Hein. Pour la guerre. Ouais. Ouais. Moi je crois que mes politiques actuelles. J'ai la combativité, la discipline. Ouais, moi, j'ai... Si je peux aller chercher. Je peux changer ma combativité de l'artillerie par par un moral plus capacité de siège. Laisse tomber le siège. Vous êtes deux sur ce front là, ça va aller vite. La lassitude de guerre moins 0,03, ça peut être bien ou pas? Parce qu'à part ça. Ça dépend, tu comptes perdre beaucoup? Non, mais surtout que moi voilà. j'ai pas beaucoup bougé, je crois. Donc, Je sais pas, moi je suis à moins 0,23 par mois, la lassitude de guerre. J'ai pas besoin, moi. En même temps, la Russie, y a tellement de population, ils ont pas le temps de se lasser. Au pire, ceux qui se lassent, ils vont sur le front, puis ils meurent, quoi. J'avais jamais vu, mais je peux accéder à l'arbre de mission de mes pépettes de oui, mon... oui, tu peux, ouais. J'ai suivi la colonne, elle était bien. Hein. Oh, mais je ne savais pas. Elle a réussi à aller jusqu'à soumettre le monster. La Russie, si la Pologne tombe rapidement, la Russie, elle est bien. Non, c'est fini. 80% des parties, c'est la Pologne qui gagne. Du coup, le Nogate, on fait quoi? Ah, mais quand je vais déclarer la guerre, ils vont. La garantie va sauter en fait. Et oui, les garanties rien. D'indépendance de. Des grosses puissances là? Oui. Donc je vais mettre le Mamelouk et l'Ottoman en. Enfin, je vais attaquer l'Ottoman et mettre le Mamelouk en co-belligérant. Comme ça, il peut pas refuser. Et il y a deux garanties qui sautent. Moi, il me reste combien? Je suis à 391 navires sur 414. Mais bon, ça se construit vite chez moi. Il y a du chantier naval partout. Mais au point où je peux plus faire le bâtiment, quoi. Faut que t'arrêtes d'entraîner tes armées. Hein. Qui? Moi? Gildar, ouais. Oui. Hop. J'en ai que 3 qui... Je suis comment là? Je peux faire 6 de plus, je pourrais monter. Ce qui m'emmerde, c'est que j'aurais pas dû faire un troisième stack d'artillerie et plutôt faire un quatrième stack d'infanterie. Ça va être un peu tard pour le changer. Ouais, wow, lui, ils crèvent tous maintenant. Hein? Mais tous mes conseillers qui crèvent. Du coup, j'ai pris une koa en faisant une guerre sur ma partie solo. Ça va, les koas, tu gères. Attends, à mort les Russes. Bon, j'y vais, je vais pas vous espionner. C'est Johnny qui est venu me mettre un petit message sur mon stream. Salopard. attends que j'arrive. Je sais pas s'il sera chaud pour se mettre dans la guerre, Johnny. Il l'a pas très bien vécu, hein, la dernière. Bah, attends,
Il est toujours en StarTech ou pas? 28, ouais, il est à 20, 29, 28, 28. Ah oui, on est en 29, 29, 29. Ouais. Après, il pourrait passer le niveau la tech 29, hein. Mais ouais, sur ma partie en solo, j'ai fait ma première guerre contre Lübeck, j'ai pris Lübeck en bourg, j'ai pris une Koa direct. Et j'ai eu la France sur le dos, donc je me suis fait déboîter. J'ai fait bien, mais j'ai pas recruté les bonnes troupes. Quand tu veux améliorer le développement de tes provinces et que la couleur de du truc il est en jaune, c'est que il te coûte plus cher que s'il était en vert, hein, c'est ça? Pardon. Tu sais, quand tu veux développer une province, je vois par exemple Riga, j'ai le modificateur de points diplo pour augmenter le développement de ma province, il est en jaune et les autres sont en vert. C'est les bonus qui sont dessus quand la couleur du dev est en jaune plutôt qu'en vert. Normalement c'est vert. Ouais, mais moi j'en ai certains, ils sont en jaune. Moi ils sont tous en jaune. Alors là je sais pas. Je sais plus si c'est le fait que t'aies un bonus différent. Première fois que je vois ça. Je sais que... Je sais plus si certains étaient pas en rouge à certaines époques quand t'avais des malus en fait de... Après, nous venons d'apprendre que notre diplomate en auto... Ah mais mince. Bon, mon réseau d'espionnage chez l'Ottoman s'est arrêté à 22. Ah, puis en Grande-Bretagne aussi, il s'est fait griller. J'ai 100 sur l'Ottoman, donc je vais pouvoir balancer 80 points pour réduire son recrutement, là, je crois quoi. Fais des révoltes, qu'on s'amuse un peu. Je soutiens les révoltes. Ouais. Non, mais j'ai pas le problème, c'est qu'en enlevant tous mes navires de Grande-Bretagne, là, je suis passé de plus 150 à moins 90, donc par mois. On peut mettre un peu de corruption chez l'anglais. Bon, moi j'arrange mes troupes, hein. C'est au moins un peu de temps. Tu veux que je mette Gildar des troupes là au niveau de Marus Turda ou ça te va la couverture telle que je l'ai là? Non, ça devrait aller. Et qu'elle est un cran vers l'est. Je pense que j'arriverai à faire tampon si en face il y a des armées. De toute façon, après ouais. C'est juste te placer, te mettre sur un terrain avantageux ou qu'oblige lui à traverser un fleuve et. Dès qu'il engage la bataille, on se met sur lui. Moi j'adore le petit bateau de transport qui sert à surveiller Constantinople. Ouais, il est là. Il s'éclate. Ouais, j'ai pas vu. Ouais, il va se faire couler direct lui. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai à plus 10, j'ai trop de bateaux. Ah non, maintenant c'est bon, je peux jusqu'à 237. Et moi, j'ai explosé ma limite navale derrière. J'étais à un peu plus de 200, enfin je devais être à 250, je passais à 421. Bon, ça va encore. Bah, j'ai pas orienté navalement ma nation. Hein. Avec les deux banques que la France et moi sommes, pas de soucis d'argent pour ça. Ouais, ouais. Non, c'était rien que le premier temps. Perte de 10, personnage puissant s'applique. Très bien. L'enfoiré. Yeah. T'as pas vu dans le Caucase? Y'a toute l'armée arabe qui est là. L'attaque surprise ne marchera pas. Bah je pense qu'ils vont pas se faire surprendre une deuxième fois quoi. Ouais, première fois je les ai pas surpris hein. J'étais là avant moi. Par contre j'ai des. Ouais, ça se voit que j'ai pas trop orienté ma marine, j'ai des amiraux éclatax. J'ai un 4-2-0, c'est un 2 étoiles. Mais... Bon, l'anglais est toujours en train d'entraîner ses troupes en Angleterre. Après, il y a que le Nogai chez toi qui a du désir de liberté. Non, il y a l'autre aussi. Mais c'est allé au Nogai. Ah, mais ils ont retiré leur volonté d'indépendance.
ont tiré leur soutien. Est-ce que l'Ottoman il prépare un soutien? Oh, fait chier l'arabe qui est allié à Brésil. C'est vrai? Si j'ai mon co-belligérant, il y aura le Brésil dedans. Après le Brésil. Ouais, bon. Ça fera des points en moins pour nous, hein. Ouais. Après, si on met que le. En fait, ce qui me fait peur sur le fait qu'ils se soient pas alliés, c'est que si le. S'ils se sont pas alliés là avec la Grande-Bretagne, c'est qu'on déclare la guerre à l'Ottoman et qu'ils rejoignent pas, mais qu'ils nous déclarent la guerre dans le dos. Qui est la Grande-Bretagne? Ouais, une Grande-Bretagne. Ils vont faire quoi? Bon, après, il peut tenter un débarquement, mais. Ils ont la pire armée d'Europe à cette époque-là. De toute façon, son armée a pas fait grand. Elle a apporté le soutien numérique, mais. Putain, ces colonies, il en a encore quelques-unes qui ont 30%, mais. Il a pas eu de rébellion finalement. Bah non, on a fait la paix trop tôt. Ouais, mais je pas la continuer, hein. Il en avait 3-4 des colonies qui étaient à plus de 50%. Bon, dans le Caucase, ça va faire mal. Hein. Ah, et en plus, on a perdu l'hivernal, c'est génial. Pas dans le Caucase. L'arabe, tu peux l'affronter tout seul, toi? Ouais, non, en 1v1, oui, pas de soucis. Avec tes stacks de 120 000 hommes là qui prennent trop cher sur le ravitaillement. T'as combien de limites terrestres là? T'as combien d'hommes sur le front? Là, j'en suis à 1 160. Ouais. Je peux encore lever 33 000 hommes. Moi je suis à 843 sur 866. Sans compter les. Il y a quand même un bon général. Et presque 350 000 hommes de mes vassaux. Je sais pas si je peux encore développer économiquement mon pays. Moi je suis prêt. Hein. Vous me le dites assez tôt que j'enlève mon bateau au dernier moment. Ton petit bateau, moi c'est pas grave. Non, non, mais mes 140 bateaux, parce que là tu vois, si je les enlève, je vais en passer dans le négatif. Donc. Salut chez les Mix, merci. Hein ben, on va essayer de faire une conquête du monde, mais. Combien? Ce sera peut-être pas une conquête mondiale. Faire combien en les enlevant? Bah ben là. Là, non, ça, je suis repassé à 57. Je sais pas si j'ai perdu. Mais c'est ça fluctue. Hein. Ah, mais il y a les bateaux anglais dedans. Ouais. Là, attends, on va voir la fin du mois, là, pour ça, je suis qu'à plus 50. On va quand même renommer notre vaisseau amiral, histoire de. C'est à moins 125. Du coup, je me retrouve... Bah, alors... si je suis pas en guerre, je leur mets... Ah, les enfoirés. Quoi? Ils sont tous partis dans le Caucase. C'est moi qui les attends. Ouais, si tu veux, je peux déplacer des troupes, hein, c'est pas un souci. Hein. Bah, s'il y a plus personne en face, au pire. Ouais, je ramène tout le monde le Caucase. Moi, je me laisse au front européen. Bah, si tu veux, au pire, je déplace moi à l'est là du front européen turc mes troupes. Hein. Ouais, mais les en Bessarabie. Mais pas au niveau de la frontière, ils doivent pas les voir. Bah, juste là au niveau de Bender. Ouais, ouais. Alors, attends, faut que je te demande l'accès militaire. Hein. Tu l'as déjà, non? Eh non, je l'ai pas, visiblement. Ah ouais, offrir, tiens. Merci. Ça fait mal d'avoir autant d'armées, hein. 350 du cas. Je sais même pas comment t'arrives à gagner autant, finalement, enfin, T'as dev tous tes nœuds commerciaux sur là aussi? Ouais. Ils sont tous au niveau 2 et des niveaux 3 un peu partout. Là où il y a d'autres puissances qui tirent. Et regarde ce que je ramène aussi, hein. 71 du Kazan, 37 du Astrakhan. Moi après j'ai la marche colonne qui me rapporte rien, mais. Ouais, t'as un petit berry. Freeze elle me donne 11. Ah, c'est déjà mieux que rien, hein. Ouais, ouais. Bon, la freeze est pas dégueu, hein. T'as combien de devs, ma frise? La frise, c'est...
La Russie, c'est un monstre. Hein. Et la 410 de dev. J'avais tout mieux, j'avais mis toutes les provinces de l'époque au niveau 30. C'est le moins 10 de développement. C'est pas mal, hein. Non, j'avais tout mis quasiment niveau 30 sur la frise. Du coup, j'avais envie de récupérer les provinces hollandaises. C'est con, j'aurais pu former la Hollande avec la frise, je l'aurais fait. Ouais, si l'anglais rejoint, tu veux quoi? Tu veux la haie ou tu veux Bruges? La haie dans un premier temps, là, continuer. Ouais, si je pouvais prendre la haie plus la Zélande, là, ce serait parfait. Bon, moi, je te conseille Bruges, hein, parce que la haie, c'est juste un estuaire. Après, c'est dans la continuité, parce que... Après, je sais que le français voulait que Calais, mais tu vois... Ouais, on sait jamais ce qu'il veut, autre chose. Les Flandres, Gand et Bruges, je comptais laisser aux Français au cas où. Ouais, moi, limite, je vais jusqu'à Gand, puis c'est tout. Après, ça fait partie de ton état, là, la haie et Zélande. Le petit salaud, il a mis direct à la frontière. Pensez que je peux le wipe, là? Ouais, je vois pas les armées... Ouais, moi non plus, je vois rien du tout, moi. Les 35K... Ah non, 35K, c'est à Circa 6, c'est à Savannah, ça. Ah, c'est remarque, j'ai pas demandé à la frise de me transférer de la puissance commerciale. 4-4... Je dois pouvoir demander à la frise si elle peut me transférer... Ouais, enlève la marche forcée, hein. On t'a plus le moral après. Et qui est moi? Oui. Si la marche forcée, tu récupères pas le moral. Voilà, ils sont à fond de moral, mais... Ouais, mais bon, pour qu'il y ait une bataille... Oh, je vois pas pourquoi, c'est juste qu'ils font la bataille en courant, quoi. Écoute, dans la partie stealth, tu le bouffais juste avec des troupes à pied, sans canon. Ça. Alors... Eh ouais, il veut pas me... La frise veut pas me transférer de la puissance commerciale. Allez, escrocs. Alors, je fais quoi? Je lance? Attends. Quoi? Ouais. Ah, vous êtes pas encore prêts? Non, de toute façon, c'est que j'enlève mes bateaux. Ah! Ouais, il me reste encore quelques âmes à recruter. En fait. Tu peux les recruter en pleine guerre. Hein. Ouais, bah oui, je sais, mais. T'as combien de professionnalisme? Le professionnalisme, tu vois ça où? Professionnalisme de l'armée 100%. Bon, bah ça va. T'as vu les bonus que ça donne? Bah oui, c'est pour ça que je... Et si t'as besoin de troupes, tu. T'enlèves 5%, hein. Oui, et puis ça donne je sais plus combien, j'avais vu. Non, moi je récupère 372 000. Et je suis à 80%. Ouais, donc. Ouais, 84 000 hommes, je récupère. Ouais, j'ai encore avoir quoi, 3-4 millions en poche. Bon, tout le monde est prêt? C'est bon, ça va être bon pour moi. Oh, le boulet, il est en train de l'armer. Là, je peux pas laisser passer. Hein. Moi, je pense que ça va être bon aussi. Hein. Laisse-moi une semaine de... J'amène mes bateaux à Bordeaux. Parce que je crois qu'il y a l'Espagnol qui est là. Bon, j'attaque pour les territoires grecs. Hein. Vas-y, de toute façon, le temps qu'ils acceptent de rentrer, mes bateaux seront arrivés. Donc vous pouvez y aller. Pour moi, c'est good. Moi, j'aurais encore quelques bateaux à faire, mais je pourrais les sortir. Du coup, on passera en vitesse 1. Et hop, wipe. Merci. Merci, au revoir. T'es en guerre, là? Là, t'as encore la deuxième armée, hein, juste devant, hein. Les 58 000 hommes. Ouais, il va faire quoi? Bon. Du coup, t'as appelé les autres? Non. Attends, une minute. Voilà. Il y a que l'Ottoman aussi, il y a l'Arabie. Ce qu'on dit la vie, tu restes caché. Hein. Je crois qu'il... Je reste caché pour l'instant? Ah ouais, reste caché. Je crois qu'il attend, tu sais, à... Il attend de voir ce qu'on fait, nous, en fait, aussi. À Constantinople, je crois qu'il attend. Hop. Ouais, ça y est, l'alliance avec la Grande-Bretagne. Hein. Ouais, elle a popé. Il est dedans ou il est pas dedans? Non, je pense qu'il je l'ai pas vu en guerre, mais moi, je vais avancer une partie. Non, il est pas dans la guerre encore, il est pas en guerre.
Sans la bohème, t'es pas dans la guerre là? Si, ça y est. Si, si, je suis dans la guerre. Comme tu veux, si tu veux avancer, prendre des forts, moi je reste caché en baisse arabie. Ouais. Je vais, effectivement, je vais avancer. Alors attends. Cette unité, elle va aller là. Cette armée, elle va aller là. J'ai pas trop avancé. Putain, je fais mal. J'ai mes flottes, j'ai 226 navires qui sont cachés et prêts dans le canal de la mer Baltique là. Si jamais je dois sortir avec mes navires, je le ferai. Ah d'accord, il envoie tout d'un coup lui. Bien. Va bien. Ça y est, il est entré dans la guerre. L'anglais. Donc, je vais rentrer aussi. Je t'ai envoyé. Ouais. Que l'Espagne est rentrée. L'Espagne n'est pas rentrée. J'envoie mes pupettes du coup sur les territoires hollandais. J'ai vu les 455 navires anglais qui arrivent. Là, il y en a 242 lourds. Je vais peut-être la perdre. Ouais, je vois pas mis, si ils ont mis tout de ton côté, voilà. Ouais, mais là, je vois pas s'il y a encore des renforts ou pas. Ouais, il y a encore des renforts. Je vais lancer mes troupes à l'est pour essayer d'avancer. Ouais, l'Espagne arrive. L'Espagne arrive. Allez hop, c'est parti pour un roulement. Du coup. Oh, je vais arriver en retard. Il n'y a plus que des canons en face. Ah, et l'Espagne est rentrée, ça y est. Mais ils font quoi? Je comprends pas là. Ils se jettent sur moi. Bah, ils vont se faire renverser, ils vont y laisser des plumes. Hein. Bah écoute, je viens de wiper deux armées. C'est très bien pour nous. Hein. Ah ouais, c'est parfait là. Bah du coup moi mes pupettes se font la prise de l'anglais. Ah les anglais viennent aider l'Espagne. Ouais, on va venir aussi. Hein. Hop. Par contre j'ai pris cher. Et les 455 lots. Non c'est que du navire marchand là les 450 navires. 423 000 hommes perdus. Ah mais j'ai eu le fort, tiens, ouais, j'ai pas fait attention. Un peu de corruption. Moi les forts me bloquent, hein. Faut que tu utilises tes canons. Hein. Ouais, sinon tu utilises 50 points de militaires si tu les as. Vous avez rien en face de vous? Non, on a strictement rien en face de nous. Tout est chez moi. Et bah voilà, une deuxième. Ouais, troisième armée wipe. Par contre, s'ils sont wipe désormais l'appel, ils vont avoir un souci de manpower quand même. Pas grave, je fais mes affaires. Non, bah eux, enfin, de toute façon. J'ai la flotte Frison qui occupe les navires des colonies et de temps en temps qui, voilà, qui se replie quand l'anglais arrive un peu trop vite. Ah, j'aurais dû faire... Salut, sœur, bienvenue sur le live. J'aurais dû me faire deux armées de canons, j'en ai fait qu'une. Ouais, mais j'en ai deux, mais... T'as combien de canons? J'ai 40 000 canons. Il y a le Shirvan qui débarque. J'ai
Et j'ai 4 armées où il y en a 15 000 dedans. Pas des pelotons. J'ai un peloton full canon. Et j'ai 4 armées où il y a 40 000 d'infanterie et 15 000 canons. Mais 15 000 canons, ça fait rien. Ben, il y a que mes 40 000 qui font. Ouais, faut regrouper les canons. Ce que je vais faire. Ah, mais tiens, ils attaquent Athènes. Heureusement que j'ai mis un fort dessus. Hein. Bah, c'est le Puppet, ça, Mouchaya, qui attaque Athènes. Ouais, mais c'est pas grave. Quoi? Pourquoi j'ai que 8 000 de. Hop, petit salopieux. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, l'Ottoman qui va passer par l'Asie centrale. J'ai vu 50 000 hommes là-bas. Je vais attendre que tu me rattrapes du coup sur l'est, Gildart. Bon allez, mais putain. Mon roi qui crève. Je suis en train de comment de séparer les. Je sais pas si l'anglais il a ramené toutes ses forces. L'anglais est en train de se battre avec moi là. Il est quoi? Il est en Espagne? Ouais, il est en Espagne là. tu t'en sors contre eux? Ouais, 600 000 contre 200 000. Ils m'ont fait mal au début, mais ça va. Du coup, bah je. Coucou et bienvenue aux habitués, c'est que. 40 000 canons, j'en ai 3 dans ma partie. Je suis liège, on est en 1520, je crois. Ouais, bah après là, on est vraiment en fin de game. Moi, j'ai pris clairement les mêmes templates que Vona, mais je pense qu'avec la Suède, j'aurais plutôt pu partir sur des armées un peu avec. En gardant 4000 de. En gardant 4000 de cavalerie, puisque la Suède a des idées sur la cave qui sont pas horribles. J'aurais eu un intérêt. Ouais, bon, cavalerie en fin de game, surtout pour la Suède, ça sert à rien. Ouais. Et t'avais été la Pologne, ok. J'ai récupéré un marchand moi, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce marchand? Il fait quoi l'Ottoman en fait? J'ai pas vraiment d'intérêt à aller tirer de la puissance quelque part. Il est en Perse, il bouge pas. Il tire pas le commerce en direction de. Je transporte des navires. Chose comme ça. J'ai un marchand qui me sert à rien pour l'instant. Mais c'est pas possible. Bah écoute, 5e armée ottomane wipe, hein. Et l'Ottoman il va se suicider en fait contre toi là. Mais je sais pas ce qu'il fait. J'aimerais bien savoir. Parce qu'en Asie centrale c'était Puppet là qui sont en train de. Peut-être hormis. Ouais, la... c'est Puppet qui s'amuse. Si, ouais, la Corée apprend. Le Dzungar c'est à long. Toi, le Nogai c'est à toi. Mais Puppet ils ont chacun 500 000 hommes de réserve. Tu les as développés militairement tes Puppet ou. Ouais. Vous s'amusez à les développer aussi. M'avancer sur le nœud sur Constantinople. Hein. Je vais voir si ça les fait réagir. Il faut passer à Tech 30 maintenant. Bah ouais, là on est en train on est en train de prendre toute la Grèce. Putain, c'est n'importe quoi! 18 000 hommes de mon puppet qui tiennent tête à 50 000 hommes ottomans. L'ottoman il a pas trop de morale. Ah, si vous voulez passer dans le Caucase, vous pouvez maintenant. Hein. Y a rien en face. Moi je vais aller chercher l'ottoman en Perse. Je viens de wipe une armée. Je pense que c'était plus des rebelles.
tuer les révolutionnaires. Ouais, je crois que c'est des révolutionnaires qui ont poupé sur Constantinople pendant que j'étais... C'est bon, ouais, j'ai pris Constantinople. C'est les seuls rebelles qu'il faut pas laisser en vie. D'accord. Parce que s'il y a une république révolutionnaire, il va être pété. Pourquoi je peux pas? Ah. Il y a encore... Ah bah oui, il y a le fort qui est là, que je suis en train de faire tomber. Où est mon autre armée? Où est mon armée? Bon, écoutez... C'est mon armée. Okay. Elle est là. Eh bah écoutez, j'ai Constantinople... C'est quoi notre objectif de guerre? Une province en Grèce, près d'Athènes. Allez, Corinthe, je vois c'est... Bah écoute, pour l'instant, je garde mes armées aux portes de Constantinople là-bas. Pour l'empêcher de venir. Allez, viens susciter des armées. Viens dans les montagnes. J'ai pris ton fort et tout. Allez. Bon, ça. Une troupe en moins. Quelqu'un peut envoyer une armée dans... chez le Nogai. Ah, j'ai mon... La compagnie, ouais, la compagnie. Enfin, là... Je pense, mon cher ami sœur, on est en guerre mondiale, du coup, France, Bohème, Russie et Scandinavie, notre bel axe, contre notre gros axe. Bon, les armées voient, je les compte plus. Hein. C'est bon, Corinthe est tombée, on a l'objectif de guerre. Et du coup, l'anglais, l'ottoman, l'Arabie et l'Espagne. Même si l'anglais est venu soutenir l'espagnol dans une tentative. Je crois que. Ouais, que ta colonne et la Frise qui viennent chez toi. Def. Enfin, qui vont venir en soutien. Du coup, tu dois avoir un truc comme 98 000 hommes de mes pépettes qui arrivent. Ouais, je vois même 108. Ouais, c'est 85 de Frise et 58 colonnes. Je suis vraiment content de mes pépettes hein, sur cette partie, c'est... Bon, il me fait chier là en Asie centrale. J'ai balancé 100 000 hommes d'un coup. Tu vas pleurer mon gamin. Putain, l'Afghanistan se fait déboîter. J'arrête pas du tout, qu'est-ce qui se passe en Grèce, ça va, ça se passe bien? On n'a pas rencontré une seule armée. Du coup, moi je tiens Constantinople avec deux stacks d'artillerie et 42 000 hommes. Soit je me tente un petit délire d'avancer avec mes hommes. Attends, l'Ottoman il essaie de débarquer sur la Crète? Bah écoute, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Par contre, ah ouais, Tunis a pas débarqué. Ah, mais y'a que des bateaux de commerce dans le détroit. Mais je vais les chercher, mon gamin. Je vais les chercher, hein. Ah mais le Brésil, ah non c'est le Brésil britannique. Non, le Brésil n'est pas en guerre contre nous du coup. T'as besoin d'un... Bah, t'as parce pas que le Brésil est en Afrique du Nord. Hein. Il y a 21 000 Brésiliens. Ça va. Il y a 21 000 Brésiliens qui sont en train de se taper avec les 30 000 de Tunis. Je passe la tech 30. Hein. J'ai trop de points. Ouais moi c'est je l'ai fait aussi. Est-ce que du coup je tente d'avancer... Ah, j'attends encore un peu, moi, avant de passer la tech. 15%, c'est énorme. Il aurait pas d'autres navires, l'Ottoman, là, à sortir? Ils doivent quelques... Bah, je vois la flotte arabe qui bouge pas. Est-ce que tu te sens, du coup, Gildard, on traverse et on commence à rentrer en Turquie? Ouais, bah. Ah bah, je peux pas. Tant qu'il y a les navires, bah, je vais attendre que... Que venait pète... Ah, fais attention, il y a la flotte. Hein. Ouais, je fouille. Oh, faites le tour. Hein. Y a plus rien là en face de vous. Vous laissez quoi, 100 000 hommes là Je vais laisser Constantinople, c'est bon.
peux laisser 40 000 canons et 42 000 infanteries et partir avec le reste de l'autre côté. Ouais, voilà, c'est bon. Je vais laisser, je vais aussi laisser du coup. Laisse-moi derrière un peu d'infanterie. Et, Je vais te laisser 80 000 d'infanterie et 50 000 canons. Ah là, mon pupette, hein, il se régale, hein, c'est vraiment. Ah, c'est petit ça, petit salopard de Thomas qui fait le tour. Il veut passer par, par l'Asie. Hop. Moi j'arrive pas à voir l'Ottoman en Asie là. L'Asie vois... centrale, le Nogai. Ouais, mais. Ben, je vois l'Afghanistan, mais c'est tout. En fait, j'ai une partie de... qui est encore en terrain incognita, moi. Je sais pas, bon, je peux peut-être te demander les cartes. Je crois pas que tu peux en guerre. Bah, essaye, hein. Ah oui, Russie est en guerre. Mais en fait, en gros, je sais pas si tu vois le siège que tu fais à Bojnourd, là, en dessous le Nogai. Ouais. Et ben tout autour, sauf à l'ouest, c'est de la terra incognita pour moi. D'accord. C'est con, ça. J'ai quand même laissé une armée, une petite... j'ai laissé 40 000 hommes en Cologne, si... si un débarquement. Ouais. Même si je pense que 40 000 hommes ne suffiront jamais. Bon après moi ça j'ai des bon. Navires dans le détroit, si vraiment ils tentent un débarquement je peux envoyer mes 420 navires chercher un peu l'anglais, hein. Putain. Merde. Les canons byzantins qui poutrent l'ottoman en Crète. Ouais mais après il a eu un énorme malus parce qu'il a débarqué avec 7000 hommes. Et les... j'ai des bons alliés frisons et tout avec moi là, ils sont ouais. T'as vu qu'ils étaient très en forme Je pense que c'est ce que je disais à Marlex, hein, mais la Frise, elle a pas aimé voir les conquêtes britanniques depuis, elle est très vénère contre eux. Ah, vous occupez du front turc? Je peux descendre en Arabie? Ouais, moi je vais prendre par l'ouest et je vais revenir. Tiens, où sont les armées de mon pupette à moi, de Hans Batch? Hans Batch, ils se baladaient un oh, moment. Non. Ouais, ils sont à Athènes. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont à Sparte. Je tue des rebelles. C'est bon, rebelles. Comment ça se fait qu'il a des révoltes de révolutionnaires d'ailleurs, lui? Oh. Bref. On est ère des révolutions. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai je pas de. Je suis encore devenu révolutionnaire, mais juste par les rebelles maintenant. J'ai pas de révolutionnaire chez moi, hein. Moi, la Suède, c'est un pays qui tient. C'est un pays calme. Stable. Voilà quoi. Tiens, je soutiens les rebelles chez l'anglais. Notamment, il se tape deux guerres mondiales là, il a rien demandé. Bah, l'Ottoman surtout, il a pris tarif là. Je suis curieux de savoir les pertes qu'ils ont. Oh putain! J'avais pas vu. Oui, ça va faire. Oh. Tu parles de l'armée que tu viens de dépop avec tes 100 000 là? Ouais, mais elle tiendra pas. Il faut que je replie. Je vais commencer à faire la conquête du territoire turc, du coup. Ouais, bah je suis aussi en train d'envoyer mes hommes, là. Je vais longer la mer Noire. Ah, j'ai fait un siège ou ça? Oh, il est là. C'est pas grave. Par contre, s'il se retourne sur moi, il y a moyen que j'ai pas de quoi tenir. Ah, ça va, c'était pas la bonne armée. Je suis derrière toi, logiquement. Ouais. Je vais. Attends, il remonte vers vous. Ouais, je vais reculer. Je vais laisser Gildart le temps de se déployer proche de moi. Ouais, restez dans les montagnes. Hein. Faut essayer qu'on se stack à des endroits où on prend pas d'attrition, mais. La tradition, tu t'en fous. Écoute. Oui, non, mais moi j'ai pas le manpower russe. Bon, dis-moi, elle gagne 150 000 hommes. C'est bon, hein. On peut pas nous Tu sais, pour l'instant, moi, le manpower, il a pas descendu. Hein. Moi j'ai 220 000 hommes, j'ai perdu 2000 hommes sur mon manpower. Écoute, j'ai perdu 400 000 hommes.
t'as perdu quelques... Bon, juste en combat, hein. Ah, oh, c'est déjà 1 million de ventes d'attrition en perte. Et 2 millions de pertes. Ah, mais c'est ça. Faut que je les détache, en fait. Ouais, Gildart, place-toi près et... les armes... Non, il me reste encore quelques trucs. Décale, vas-y, ouais, on se décale là. Il faut qu'on ait un nœud d'infanterie qui couvre... Si tu peux mettre ton infanterie là, à Sivas, deux cases au sud de la mer Noire. Il y a là où il y a mes canons pour que du coup on couvre et que ce soit pas là, les canons qui prennent tout de suite. Ouais, parce que je me fais sauter dessus. J'ai envoyé mes hommes. Mais il va me falloir un soutien. Je suis en train de débarquer, hein. Je t'envoie tout. Écoute. Ouais, je me fais sauter dessus à Sivas, Gildard, j'aurais bien besoin d'un... On a peut-être pas besoin d'un énorme soutien, mais quand l'Arabe va venir, je pense que ça va être plus dur déjà. Oh purée, c'est moi qui vais me faire éclater. Ah oh oui, t'as pas une wipe. Et ouais, moi je tiens largement, ouais. Il retourne pas. Bah c'est trop tard. Je vais perdre par contre. Mais what? Ah mais c'est à cause de la rivière, putain, mais... Mais là je peux pas t'aider, il m'attaque. Eh ben, en tout cas, je tiens l'ottoman, l'arrivée de l'Arabe est pas bonne pour moi, mais... Replie-toi dans le Caucase. Replie-toi. Repliez-vous. Après, il a subi des pertes... Écoute, tant que je peux prendre le fort en bas, pour moi c'est bon. Bon, l'Espagne est occupée, enfin la péninsule est occupée. Il est en train de nous éclater là, honnêtement. T'inquiète. Il est fort pour couvrir la retraite. Ouais, t'as vu quoi? J'ai passé ma tech 30 militaires dans la foulée. Pourquoi il y a un sac de canon tout seul? J'ai voulu les faire replier, mais ils ont chopé. Mais les toujours avec de l'infanterie, toujours. Bah, c'est trop tard, hein. Ouais, mais bon. Maintenant, c'est trop tard. Il a combien de morale, l'arabe? Il doit avoir autant que moi. 9-9. 9-9, toi t'as 17? Ouais. Je suis en train de tenir 500 hommes, hein. Il y a 200 hommes de plus que moi et je les tiens. 200 000 ou 200? 200. 200K et il est à 450, je suis à 320. Tiens, ce que tu peux faire, Gildard, du côté de Constantinople, c'est mettre une armée à Edirne et une armée à Kirkilisie. À Kirkilise. Pour. Ouais. Hop, c'est fait. Si jamais t'as besoin, Tef. Elle tiendrait pas le front. Tout hasard, là, je vais rapatrier des troupes vers chez vous là. Non mais en Espagne, si jamais t'as besoin à un moment donné que je te donne des territoires pour d'éventuelles revendications, tu pourras me dire. Oh, ça passera pas. Non ouais. Oh la vache. Ça. J'ai. Allez. Non, j'ai stack wipe. Tu vas te faire stack wipe ou tu vas. Ah non. Quand on occupe un pays, le propriétaire il voit les troupes qu'il y a dessus, même si. Ouais, il voit. Ouais, il voit ouais. Bon, l'anglais il a ses troupes au Maroc. Là. Ouais, j'ai perdu une armée. Visiblement, tu t'es ouvert un front. Ah, mais j'ai encore une armée ici, j'ai pas vu. Comment ça? J'ai perdu 80 000 hommes, c'est pas grave, non? Je viens de les retrouver. Faut voir, ça t'attaque par contre? Ouais, ouais, ça m'attaque. Moi je me suis replié, hein. Moi je vais revenir dans le Caucase avec une partie de mes hommes, mais ça va être le temps qu'ils se reconstruisent quand même. J'ai peur que l'Ottoman avance sur nous pendant ce temps-là en fait. Ouais. J'ai perdu presque 200k. Hein, Y'a trop! Bah y'a des endroits où ça va, mais...
Ouais, je vais faire la défense de Constantinople pour amener vos troupes de l'autre côté. Bah amène tes troupes, hein. Nous on a la défense de Constantinople. Hein. Tu devrais peut-être Si continuer tu sur peux passer peut-être par le sud. Non parce que je peux pas traverser, j'ai pas la possibilité. Oui, t'as pas l'accès à l'Afrique du Nord. Bon, j'ai envoyé payer l'armée. J'ai eu ma vengeance. Parce que du coup, en Afrique du Nord, ils y sont. Non, c'est n'importe quoi ce repli, hein. Jusqu'à Constantinople. Après, moi j'ai encore tout mon professionnalisme. Je peux cramer mon professionnalisme si besoin. Bye bye, l'Ottoman. L'Ottoman, il est déjà à 14 de lassitude. On va réussir à traverser le. Peut-être avec le Milanais. Oh, moins 78. Traverser Constantinople là. Si le Milanais arrive à faire le. À finir le siège. Ça va être compliqué. Hein, oh. Moins 78, ouais. Oh, je vais la gagner. Oh, je vais la gagner. Je peux prendre ce fort. Hein. Ça va, l'argent oui. Moi je suis bien, je suis à plus 40. Ouais, hein. Moi, ça va. J'ai 1600 ducats en réserve. Moi tu es 1000 ducats. Oh, c'est oui. 10 victoires. Combien tu lui fais perdre? Je sais pas, j'ai pas regardé. 189 000 hommes, 100 000 canons, 13 000 d'infanterie, entre 258 000 et aucune perte de canon. Quoi? Ouais, moi j'ai. De quoi? Ah, je peux sauter dessus. Oh non. Dommage. Non, là, je pense que c'est des. L'anglais, il a au niveau de l'Algérie, il avait des armées là. Ça me fait bizarre. Ouais, c'est l'armée de 1000 hommes, tu veux faire. Que tu fasses quoi? On sait jamais. Hein. C'est con que l'Ottoman se replie dans ces terres là. L'Ottoman il se remplit là. Tiens, de l'anglais. Y'a pas de. On peut pas faire de signaux sur la carte. Non, c'est pas. Ça qui est bien dommage. On sait quoi, je passe tout d'attaque 30 partout. Hein. Moi j'ai manqué que d'attaque 30 diplomatique. Ouais, je vais essayer de me replacer dans les montagnes derrière toi, Vona. J'ai passé 30 partout moi, là pour le coup. Quelqu'un aurait vu une de mes armées quelque part? Tu parles des innombrables armées qui. Par contre, en Asie, le Britannique il y va plus là? Ah ouais, non, il a abandonné l'Asie. Et en Inde, il sort des choses? J'ai un peu la Corée a fait quelque chose, ouais. Non, mais les popettes roulent sur le territoire asiatique. Oh, tu veux revenir, mon coco? Viens dire bonjour à papa. La paille est costaud. Faire attention, ouais, l'Ottoman. Ouais, Milan est en train de fuir, du coup, l'Ottoman est devant Constantinople. Il va faire quoi l'anglais ici? L'Espagne, elle est conquise ou pas? L'Espagne est conquise et je surveille le détroit de Gibraltar, là. Je peux pas traverser, mais lui, il traversera pas non plus. Du coup, là, il y a les armées anglaises qui partent en marche forcée vers l'Égypte. Ouais, en gros, ils sont tous sur moi, quoi. Bah, il y a aussi les 50 000 Espagnols qui traversent, il y a l'Afghanistan. Il y a Tunis qui essaie de garder des provinces, visiblement, en Afrique du Nord, qui fait un peu son l'épine dans le pied. Va falloir venir m'aider, hein, je pense. Ouais, j'arrive. Moi, j'arrive avec 200 000 hommes. Mes armées sont pas complètes. Ah, je suis passé sous la barre des 1 million d'hommes. Ça fait longtemps, ça. J'ai des troupes scandinaves fraîches qui arrivent. Pourquoi t'envoies des canons? J'en vois pas que des la canons, ligne. Mais c'est que mon infanterie met un peu plus de temps à arriver. La ligne est pleine. C'est pas grave, du coup j'ai mis 42 000 hommes aussi à tenir la. Ouais, bon, ça fait du moral en plus quoi. Hein? Ça fait du moral en plus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va le plier, hein, mais. Ouais, bon. Si je pouvais sauter sur les. Je fais 40 000 canons là, c'est à côté, juste après. Non, mais il va les envoyer. Sur 12 armées ottomanes là, 100 000 hommes. C'est ceux qui s'étaient repliés. Ah. Et tu sais que t'as 400 000 hommes là de côté là, Ah ouais. Ah ouais, ok. Bon. Bon, je vais essayer de passer pour m'occuper
Je les avais perdus. L'ouverture à Constantinople, là. Y a besoin d'un coup de main dans le sud, là où bah, tu peux les rapporter tes armées, hein, ça fera pas de mal. Un énorme parce que là, ils traverseront plus, je pense. Oh, le jet des pouilles. J'en vais trop loin. Bon, c'est bon, c'est gagné. Si on occupe deux territoires de chaque côté du détroit, c'est bon, ça passe. Reculer. Pardon. Ça passe, on peut traverser après ou pas? J'ai besoin d'un coup de main, y a 80k qui vont arriver sur moi. Oh purée. T'as pas de général encore? Affecte un général, c'est trop tard. Pourquoi tu pars tout seul? C'est un général en plus. Je suis en train de leur défendre en fait. Non, faut qu'on reste groupé là, faut qu'on fasse une ligne de troupes groupées. Écoute, je prends le fort de A. En gros, à tu mets toutes tes armées côte à côte et proche de. À la fois de nous et. Ah mais il me l'a... Ah d'accord, il me l'a wipe. Okay. Oui, bah, ouais, parce que t'avais pas de général. Non, il y avait pas... J'avais pas de canon. T'avais pas de général en plus, c'est pas... Mais ouais, on va... Enfin, faut qu'on groupe en une ligne et en fait, quand il y a une attaque, on prévient et on se regroupe, Gilles. Oh, je l'ai recomplété. En gros, on se... Ah, ça y est. Voyez, mon pays demande la paix. Je vais prendre de la lassitude. Ouais, moi aussi. Bon. Ouais. Même demande et... Pareil. Je suis à moins 0,05. Moi, je suis à 0,01. Voilà. C'est toi qui attaque ce slan, là, Tef? Non, non, j'ai voulu jouer, mais... Colonne, ils ont attaqué les canons direct. Ils sont chauds direct, ils sont chauds, quoi. J'ai bien envie d'aller les soutenir, là. J'y vais, là. J'y vais aussi. J'y arrive. Ah, vous verrez là-haut. Ouais, du coup on chasse lentement. Les Cologne est très motivé donc Cologne elle a ouvert en deux les armées ottomanes. Je sais pas combien. Les séparatistes en Croatie. Je sais pas combien. Le moral de Cologne, il est à 10-3. Bah, écoute, il est dans l'âge d'or, non? Il doit être en âge d'or. Bah, c'est un Allemand. Hein. Ouais, moral de base de Cologne 10-33, putain. N'importe quoi. La Cologne, c'est un pays d'énervé. Hein. Je sais pas si on peut les poursuivre là, les armées ottomanes. Y a pas de fort, poursuivez. Le premier fort, il est à Mendocha au niveau de la côte. Je reste avec des armées, faut juste que les armées soient un peu collées, je suppose, mais. Prenez Coachelli là. Ouais, j'y vais là. Pour le détroit. Il s'appelle Coachelli? Ah oui, d'accord. Là où il y a Milan. Ouais, ouais. Espagnols révolutionnaires, on s'en fout de les tuer ceux-là. Non, on a enculé. Hein? Faut les tuer. Tu veux voir une Espagne révolutionnaire? Non, non, mais c'est pas ça, c'est que... Du coup... Un peu tôt pour faire la guerre d'Espagne, Tef. Écoute, dans l'histoire, la Russie, elle a perdu contre l'Ottoman. Hein. Donc... Tu parles de quelle histoire exactement? La vraie. Mais oui. C'est pour avoir les. On a le détroit. Hein. On peut traverser, je pense. Ouais, c'est allez, tout le monde traverse. J'ai besoin de défendre. De toute façon, là, on peut enfermer les 120 000 hommes ottomans, là. Ouais, ouais. Bah, s'il est repli. Ah, oui. C'est ce que je suis en train de faire. Vrai. Vas-y, on faut l'encercler avec de la. On met une ligne d'infanterie, une ligne de canon derrière, on l'encercle. Attention, j'arrive, Gildar, j'arrive. Je t'envoie tous mes hommes. Je me suis en train de le faire. Non, non, il a le malus là, je vais t'apporter de la. Je vais t'apporter sur la ligne du haut, ça va arriver à l'est aussi. L'Ottoman, il a pas de morale, hein. On est bien. Voilà. Donnez-moi les provinces que vous voulez. Bah, prends les. Ouais, moi, tu sais, c'est juste la. Donne-moi la haie si tu peux. Ça me suffira. Bah, quand je dis donnez-moi les contrôles des provinces. Ah oui. Bah oui, j'ai un bonus de moins 10% pour les
Je peux te donner directement la haie du coup? Tu l'auras? Ouais, vas-y. Tiens. C'est bon, tu l'as eu. S'il a plus de marin, l'anglais, là, il bouge plus ses flottes. Non, je l'ai pas. S'il y a des particularistes dessus, je peux pas l'avoir. Tu peux pas avoir le contrôle, tu veux dire? Ouais, ouais, je peux pas avoir. De toute façon, je vais perdre le contrôle. Faites attention, hein, l'Ottoman, il est en train de traverser la ligne, du coup, en repli, là. Ouais. T'as pas pu avoir le contrôle de la haie? Ouais. Ah oui, mais les particularistes qu'on popait, c'était pas prêt. Ouais, je vais les enlever, là. Que c'est beau, cette Chine, en vert. Et l'Ottoman a quand même réussi à... Vous pouvez envoyer les armées dans chez moi, en haut. Qu'est-ce que t'appelles en haut? C'est où là-haut? L'Oural, la Sibérie. Pourquoi? Ah, c'est la visite. Parce qu'il y a 54 000 Anglais, c'est ça? Bien plus. Il y a encore 180 000 qui arrivent. Attends, juste derrière. Je vois pas. Ah oui, ça y est, je vois. D'accord. Je me demande au niveau de Akmolinsk, que là? Ouais. Je vois pas du tout. J'ai compagnie en haut du Nogai. Ok, oui, il y a 54 même 000. Plutôt du Boukhara. Eh ben, je vais faire sauter le siège ici et. J'envoie des mercos en haut, mais ils sont pas suffisants. Je vais envoyer 80 000 hommes. Ouais, pareil. On se regroupe. Je vais aller vers Altin. Pas tout à fait au contact, du coup. Schildart. Ah, moi je comptais passer par la Circassie, moi. Circassie, oui, on va passer par la Circassie. Okay. Tu vois la province au-dessus du Nogai, t'as Altin là avec un fort. Ah, il y a toutes les armées. face de moi. Harald, je peux pas bouger, hein. C'est ça? Le fort Harald, ce que. Ouais. Black. J'ai mon frison qui se fait attaquer au niveau de. Ah, mais je peux pas l'aider. Si je bouge. Je donne mon cul alors. Vous m'avez compris quoi. Oui. Hop, ça, retour chez moi. Putain, il va faire tomber mes forts. Si j'ai toutes mes techs de passer. De toute façon, on s'en doutait qu'ils allaient tenter un move comme ça. Vous pouvez pas envoyer des. En marche forcée? Mais peut-être qu'ils sont juste derrière, mais eux ils sont pas pressés. Attends, ils sont où sur mes armes? Non, je peux pas marche forcée. Je sais pas pourquoi c'est en gris. Faut que tu mettes ton armée à l'arrêt et que tu actives la marche forcée. Ah oui, d'accord, ok. J'arrive avec. C'est bon, j'ai mis mes troupes en marche forcée. Oh, il va sur les lignes de fort. Par contre, c'est chiant, les parties où j'ai de la terra incognita, je pourrais pas te. Si, tu peux aller dessus, mais tu verras rien. Tu verras pas où t'iras, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est pas très pratique, quoi. Je vais faire tomber Menteşe en Turquie. Ouais, c'est bon. Tes bateaux, tu peux les mettre. Tu peux les laisser sortir de Scandinavie ou pas là? Oh bah oui. Parce que je pense que je vais faire du débarquement en fait. Toute ta flotte anglaise est en Méditerranée. Ouais, c'est pour ça, ouais. Du coup, je vais y aller avec 40 000 hommes, là. Non, je vais attaquer, là, ceux qui font du blocus, ces colonies, et je vais voir s'ils réagissent. Bon, j'attaque une première armée. Ah, j'espère que je la vois, hein. Putain, ces mercos anglais, ils font chier. Il y a 500 000 anglais qui arrivent. En plus. C'est bon, Ouais, il a des particularistes chez lui, l'anglais. Regarde. Ouais, ouais, ouais. Il y a ça. Il y en a un paquet. Bah écoute, pour l'instant, j'ai le nœud de la Manche. Hop, c'est juste de me donner un peu de vision.
Fonctionnaire corrompu chez l'anglais. Ça lui apprendra à l'attaque. Oula, j'ai de la révolte. Ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien. Ouais, ça ne sert à rien. Tellement le point que ça ne marche pas. Il y a de la révolte chez moi, mais c'est tombé sur la bohème. Il a beaucoup de particularités. Ah oui. Oui, oui, j'ai l'impression que le débarquement en Angleterre. Ça va être vite fait. Bah, disons que. Ouais, il. Ah, encore une faute de l'anglais, hein. Il fait rien comme d'habitude. Mauvais anglais. T'as pas envie de wipe l'armée anglaise là en Les 32 canons là? Ouais. J'ai que de l'infanterie. Pas grave. Ouais, j'envoie une armée. Le général tout ça. 600 chocs. Ouais, je sais, ouais. Je pense qu'il m'a pas vu en plus. Bon, après faudra monter. Hein, parce que... Je m'occupe de cette armée. Mes canons devraient arriver pas trop tardivement. C'est juste que. Je mets un petit coup de main à mon ami français pour son débarquement. Ah, oh, il veut faire tomber les forts rapidement. C'est bon, j'ai wipé. Ouais, je vais en wiper une autre. Remontez vite pour le fort. C'est lui à 35%. Ouais, je ouais. Remonte. Je me mets en marche sur ça. Ouais, mais il a beaucoup d'hommes par contre. Hein. C'est les Mercos. Ça tombe vite. Qui c'est qui initie l'attaque sur le fort avant que ça tombe? Le plus proche. Bah moi du coup. Vas-y Gildard, je suis en marche forcée, j'arrive. Je traverse juste la rivière pour éviter. Oh, il y a 64 bon. En plus, ça. Hein. Attends la fin du truc pour voir s'il tombe ou pas. Tombe pas. Il est pas tombé. Je lance attaque, même si j'ai que 40 000. Attends qu'on soit sur la province juste en dessous. Tu peux lancer. Ok, je lance. Faut récupérer du moral. Les hommes, ils arriveront assez vite. Oh, c'est moi qui arrive en premier, d'accord. Je me fais défoncer. Ah ouais, bah oui, bah et puis je suis arrivé après, moi. Ah non, ça se rendait navigable en premier. Ouais, mais c'est pas mon moral, ça, si 10-6 de moral, ouais, non, c'est le russe. Ah ouais, c'est moi qui arrive en premier, mais c'est ton général qui combat. Je pense que mon général, en même temps... Ah, l'armée anglaise qui revient. Mais on se fait détruire, en fait, là. Bah oui, on a pas de canon. Bah si, 52 000 canons. Ouais, mais j'ai les Mercos, moi, que j'ai envoyés. Il y a 40 000 canons qui sont à moi. Ouais, ça va être compliqué, là, par contre. Attends, peut-être pas. Ah, il y a 60K qui reviennent, hein, là. Hein. Si on peut le bouffer juste avant. Allez 21 allez mai. Allez. Oh, c'est chou. Ça a dû passer à rien, en plus. Oh, ouais. Allez oh, putain. Oh. Faut la gagner, celle-là. Hein. Bah, on va la gagner. On est à 0-12, il est à 0-2, oui. Oh, GG. Oh purée. Attention, il y a 60 000 hommes. Ouais, enlevez la marche forcée, hein. Enlevez la marche forcée. Avant le combat. Ouais, moi je l'ai plus. Ah, tu t'en vas Non, c'est. Hop. Ouais, c'est bon. Parce c'est que bon. Là, on va éclater. Il va se faire éclater. Et après, on saute juste. Faut sauter sur la mer en dessous. Sautez dessus. M'en fous si vous n'êtes pas de morale, sautez dessus. En dessous. Ouais, en dessous. En dessous, faut la wiper. J'ai perdu un capitaine. T'as perdu tes capitaines? Non, j'ai perdu un capitaine. J'ai perdu mon conseiller, si tu préfères. Tu m'as fait peur, là. J'arrive. Vous êtes où? Voilà, j'arrive, mon armée arrive. Faut la poursuivre, cette armée, si elle vit encore. Faut pas la laisser en vie. Oh, le jet de zéro. Oh, le zéro. C'est vrai que je vois plus du tout de flotte anglaise par contre.
Avant en La flotte en gaz, elle est en bas de l'Italie. Et sinon, là, je suis en train de faire l'invasion. Faut quand même pas la perdre. Allez, mon pépette. Allez. Le 11 septembre. Ah, oh, ça passera pas. Ah, c'est passé où sa ligne de canon à lui? Bah, il a plus de canon. Mais j'ai pas compris. On a gagné l'infanterie. On tire une victoire là-dessus. Oui. Suivez l'autre armée. Suivez l'autre armée. Coupez-vous en deux. Je descends. Elle est où? Elle va où l'autre armée? En bas. Naïman. Je vais affronter celle qui a Naïman. C'est bon, elle est wipée à Naïman. Ah, ok, bah GG. Le poursuivez pas, hein. Regardez s'il est en bas, mais peut-être. 80 000 hommes. Il va où lui? Il va là. Et moi je wipe des bateaux. Ça a l'air amusant chez vous. La bohème, est-ce que tu peux aller côté gauche vers l'Ica, tout ça là, vers Venise, pardon, Venise. Oui, pourquoi? Parce que je fais une invasion sur Venise là actuellement. Où ça? Sur Venise. Sur Venise. Ouais. Putain, j'ai un. J'envoie 80k. Non, mais je pense que ouais, tu amènes 40 déjà parce que j'ai déjà 80 qui arrivent. On parle qu'on est déjà 80% de score de guerre. Ouais, passez-moi les provinces que vous voulez. Cette fois-ci, ah oui, il faut me passer Calais. Passe Calais aux Russes et je te le donne avant ou. Non, passez-moi d'abord. Ouais, On le payera moins cher avec moi. Calais pour le russe aussi. Hein. Normalement, t'as nos deux provinces. Et autour de Gildar. Tu veux quoi Bah, il faudrait qu'il Hongrois. Koran, Bludin et pour finir l'État avec Fégère et Scorpion Sopron là. T'as Copan, Segedin et Budin pour finir la Transdanubie. Alors, pour la Trans. Voilà, Copan, effectivement. Ah merde, on peut plus passer, il a pris la Venise. Ah, mais tiens, je suis en faible. En deuxième de guerre. Et de moins 1, ok. Et hop, déjà ça là, les trois que je t'ai donné, ça sera déjà pas mal. D'ailleurs, je récupère le nœud, je crois. Ouais, alors combien ça a coûté? 1, 2, 3, déjà 33%. Ah, d'accord. Si je prends Calais, bon, on va t'enlever. On va enlever deux provinces. Est-ce que si tu prends Calais, c'est j'arrive à 54 d'un coup, je vais enlever deux provinces au. À Gildar. Non mais vas-y, laisse lui, moi t'as qu'à me filer, je vais prendre un truc, je vais prendre Biscay sur la. Ou alors non, mais t'as qu'à me prendre, t'as qu'à me donner Gant à la place, Gant. C'est où ça? Gand. Gand. À côté de Bruges. Ah, Gant. Ouais, Gant. Mais c'est toi qui l'as. Bah, c'est moi qui l'ai, ouais. Gant ou Bruges, l'un des deux qui passe, quoi. Peu importe. Gant, ça vaut 8, Bruges, ça vaut 11. Vous pouvez me donner les provinces de Grèce là? Corinthe, Anabolu et tout ça. C'est la France et la Bohème qui les ont. Ouais. C'est l'île en dessous d'Athènes. Ah ok. Et repartez pas, hein. Il y a l'anglais qui revient. Russie, voilà. Il revient. Ah oui, merde. Corinthe, ok, tu m'as dit. Après, sur le coup, j'aimerais finalement. Est-ce que je prendrais pas plutôt aussi un territoire sur l'espagnol histoire de lui dire quand même que c'est trop facile de rentrer dans la guerre à chaque fois, quoi. Il revient où l'anglais Venin? Ouais, je peux prendre Biscay, hein, 42. Ouais. Je prends Corinth, 42. Non, bah voilà, Biscay, et puis après, au pire, j'en prends qu'un, moi je pense que c'est grave. Ouais, bah, si on prend chacun un territoire. Oh, ça fait 71 le. La haie. Bah, enlève moi Gand. Et donne-moi Biscay, comme ça moi j'en prends un sur l'Espagne. En fait, le problème c'est l'AE. L'AE ça vaut trop cher. L'AE. Ouais, c'est très cher. Prends Zélande alors, sinon. Ouais, je peux prendre Zélande à la place si tu veux. Attends, y'a un combat quelque part. Les affiches de combat là. Ah, oui, ouais, mais c'est. Je crois que c'est moi. Je tape des rebelles qui sont chez mon pépette. Ok. On avait dit quoi pour les Provences? Zélande à la place. Attends, Zélande à la place, celle qui est juste à côté. Je te la donne. Et du coup, je te donne Biscay, moi. Tiens, c'est bizarre. Ben, à quoi elle est passée à 52?
On était à 50, passé à 52. Attends, mais j'enlève des trucs à Jidar. Hein. Je lui prends le nœud commercial. C'est quoi le nœud commercial, c'est peste? Ouais. C'est peste. Mais si là, je prends Bitkaï à l'espagnol. Tu vas. Si tu. Tu fais comment? T'envoies une paix à l'arrache comme ça là ou tu vas leur parler? Bon, ça j'envoie à l'arrache. On peut passer en vitesse 1, ça lui laisse le temps de réfléchir. Enfin, moi je peux pas. Mais... Bah, on va leur faire la proposition. J'ai envoyé. Alors voyons, le Thomas est à moins de stabilité. Je sais pas s'il a refusé ou il a pas refusé. Je sais pas, mais son moins 80 de prestige, ça doit lui faire, ça doit pas lui faire de bien. Et la lassitude de guerre aussi, pareil. Ouais, il est à 20, non, de lassitude. Il est à 20, je pense qu'il y en a pas qu'un à 20. L'Espagne, elle est à 20. Ah, il a rejeté. Voyons voir. Il n'y a pas de stabilité. Putain, mais comment il fait pour il m'attaque. Hein? Ah oui, je vois où il t'attaque. Lui, il m'attaquait. T'as le temps d'aller dessus ou pas? Bah, je crois que mon général est mort, ils en ont profité. Oh, bon bah, écoute. Je t'envoie le reste de mes hommes qui se trouvent en Turquie, Vana. Ça fait chier, ça, général qui est mort d'un coup. J'ai vu ça. Bon, bah, ils veulent pas la paix, ils veulent continuer. Écoute, on fait cette bataille, on verra après. La Russie et la France, vous avez plus d'héritiers, hein, vous savez? Ouais, c'est normal. Il est mort, Non, je l'ai tué, parce que 1-0-0-0, ça va. En Russie, soit t'as du talent, soit tu meurs. Voilà. Pour le moment, on tient le moral. Ah, Venise, on peut pas la récupérer, Tef. Non, ouais, je sais, ouais, c'est pas grave. Ça va l'Angleterre? Ça tient bien? Oh, bah y'a les particularismes qui m'aident et tout, donc tout va bien. Bon, ça se grignote quoi. Puis là, j'ai réussi à passer Gibraltar, donc du coup, maintenant c'est bon, je peux traverser. Oh, le général anglais, il est pas mauvais. Y'a des séparatistes géorgiens aussi qui ont popé sur nos territoires conquis. Vana, il faut que t'envoies un peu plus de tes hommes là, on est en train de se faire éclater là, à Ama. Où ça, c'est où en bas? Vers Jérusalem. Mais je suis dessus. Est-ce que t'as. Merde, en plus y'a les puppets qui arrivent. Pourquoi tu veux que j'envoie mes troupes? Parce qu'il y a 182 000 hommes qui vont arriver encore, mais. Ouais, ils sont 200 plus que nous là. Oh, ça va, j'envoie. Allez, vas-y. Ah, j'ai encore 100 000 hommes au-dessus là. Fais pas ton timide là, on va aller. T'as 300 hommes au-dessus. Je l'ai pas vu. T'as 300 hommes qui se touchent les nuits. Ils sont là à boire de la vodka, qu'est-ce qu'on fait? Oh da, moi pas comprendre. L'arabe il a quand même, il a quand même un sacré manpower. Qui... Vas-y, renvoie la paix, va. Caillou là avec l'Arabie. Ouais, je crois qu'il a pratiquement autant que moi. Ou la moitié de mon MP. Ouais, puis à chaque fois son pays il est jamais conquis. Mais écoute, il refuse cette paix là, moi je fonce dans le tas. Hein. Est-ce que vous voulez que je ramène des troupes sur le front là ou pas? Non, ça va. Ouais, va sûrement falloir. Quoi, des séparatistes sans Sylvanien? Bon, on va les laisser. Bon, voyez, 60 000 hommes, c'est bon, je crois. J'en aurai 80. On va la gagner, je pense, mais de justesse. Hein, Ouais, mais ils arrêtent pas de sortir des mercos aussi. Le Merco, leur MP infini. C'est kiff-kiff hein, sur le moral. Bah écoute, ton professionnalisme nous aide. Hein. Bah je suis à 132. C'est ma discipline ça. Ouais, pardon. Ah ça y est, ils ont perdu. Allez, moi je fonce sur le fort. J'ai mon armée d'assaut qui fonce.
Hop, Bon, mais l'Angleterre est entièrement occupée soit par moi, soit par les rebelles. Je vais. Je sais pas où est passée la flotte anglaise, je ne la vois plus. Elle est pas à Venise, non? Non, non, elle est partie, j'ai repris Venise d'ailleurs, du coup. Ah. Il y a l'Ottoman là, qui essaie de réoccuper des forts sur le golfe Persique. Ouais, en bas avec tout sud. Le géorgien qui va se libérer. Ça bloque le passage en fait. Tu veux qu'on aille lui péter l'œil? Mais je crois que les poupettes sont occupées à remonter, faut le tuer. Ouais, bon. Hop, second fort, on fonce dessus. Elle est où la glorieuse armée de Frise? La glorieuse armée de Frise, elle est à côté du russe en train de prendre les forts avec lui. Main dans la main avec un russe, avec le russe. Mais qui se dégage là? Je peux pas faire mon poids. Je peux pas utiliser mon bonus. Bah... Ouais, j'ai plus 72% d'habilité pour les sièges. Moi, je veux que les forts ils tombent d'un coup. Par contre, on est à 94 hein, de score de guerre. Hein. Vas-y, ouais, renvoie une paix. Vas-y. Alors... Ils voudront pas. C'est pas grave, ils prennent de la stab en moins, quoi, c'est ça? Oui. Bah, apparemment, ça marche pas. Ouais. Si, ils la prennent, mais on la voit pas, je crois. Mais non, parce qu'on est censé l'avoir sur l'offre de paix quand ils la font. Le Thomas il est toujours à -1, -1. Ça bouge. Faites attention, on est attaqué, la frise elle est attaquée. Ouais, là. Ouais, j'ai vu. Ah ouais, sur le truc on voit toujours. Écoute, t'as vu ce qu'on lui met aussi. Ouais. Ah, j'ai trouvé la flotte anglaise. Et où? Oui. Bah, juste à côté du fort. Allez, venez vous faire stack wipe. Il me reste 500 000 hommes hein, en MP. Il te reste 500 000 hommes? Ouais, mais ouais. Combien en professionnalisme? C'est ça que tu nous dis pas tout. Je suis à 73%. Ah, la frise, c'est bien de la merde, hein. Il fallait qu'on m'a engagé. Bah, ouais, c'est pas ouf la frise, hein. Ah, quoi que ça, 10-60 hein, de morale, hein. Vena, il faut que tu. En Perse, il y a une bataille. Oh, on va la gagner, non, j'ai rien dit. En Perse? En Perse, moi, il tente de les faire, il tente d'enlever l'effort pour son pupette. J'ai 5000 canons. Ça. J'ai 50 000 canons qui tapent sur les 180. Ah, purée, par contre, ouais, il va peut-être falloir. Oh, fais chier le désastre. C'est un désastre? Bah, oui, mais c'est le désastre de départ. Je peux le stopper en. Ouais. Je sais plus comment en fait. Moi, il va falloir aussi. J'ai 143 cacs révolutionnaires bohémiens. Espagne, moins 20 de lassitude de guerre. L'Ottoman, pareil. J'ai pas moyen de. Comment? Non, mais vraiment, qu'est-ce qui nous manque là pour arriver moins à. Moins 20 la Grande-Bretagne aussi. Et le. L'arabe, il est à 3 de lassitude de guerre. Ouais, l'arabe, ouais. Ouais, mais une fois qu'on arrivera au niveau du canal de Suez, c'est bon. Je fais une percée par le sud. Bon bah j'ai des rebelles qui ont popé chez moi. J'ai être un peu obligé de m'en occuper pour l'instant. Ah ouais, des révolutionnaires. Regarde un peu. Si tu acceptes le truc, tu gagnes quoi? À qui tu parles? Toi. À toi. Ah, moi aussi j'en ai là. Qu'est-ce qu'ils font là? Si j'accepte quoi? Toi l'anglais pour les stabilités expansion avec les rebelles. Ouais. Clique sur tes rebelles pour voir. Révolutionnaire bohémien, bohème, 4ème armée, vos rebelles. L'Arabie demande la paix. C'est vrai? Ouais, elle donne de l'argent, c'est tout. Je fais quoi, j'accepte ou pas? Tu peux accepter le sortir de la guerre, hein, nous ça nous arrange. Je sors de la guerre, lui? Ouais, tu peux, hein. Moi ça ne m'arrangerait pas de le sortir. Hein. Hop, au revoir. Mais 99 en score de guerre. Bon bah là on a plus qu'à finir d'occuper les territoires et puis on attend quoi. J'ai envie de dire. Ah mais parce qu'on était sur ses terres à lui. Bah oui. Pour ça. Oh là je pense que tu refais une proposition de paix à l'Ottoman, c'est instabite. Hein. Attends, je remets trop parce que j'ai plus suffisamment de manpower pour tout.
Pourquoi il a lâché comme ça, Caillot? C'est sûrement un troll au départ, je pense. Je recule mes troupes au niveau de l'Empire, mais... Parce que, attends, elles sont où, du coup, là, les troupes ottomanes? Je sais pas. Il y en a encore. Il y a 162 000 anglais, là, au Zungar, là, mais... Cologne vient Vastak Wipe des troupes espagnoles. Où c'est que tu vois des troupes espagnoles En Arabie, justement. Oui. Ouais, Cologne... Tu vois, mais mes pupettes, ils sont vraiment énervés, hein. Le tabi, tu veux pas marcher, hein. Bon merde ça. Je sais pas pourquoi le Stabit d'ailleurs il marche pas. C'est peut-être parce qu'on n'est pas la bonne version en fait. Peut-être. Peu, mais c'est un peu étonnant. Bah moi, je trouve pas ça... moi je trouve ça normal un peu. Ouais. De quoi qu'on puisse pas Stabit? Ouais, parce que c'est pas la bonne version du jeu. Je sais pas, pour moi le Stabit ouais. Il est présent depuis tellement d'années. Ah j'ai trouvé l'armée ottomane. Hein. Vous avez besoin d'aide pour Pourquoi les révoltes? Ouais. Non, ça ira. Ça va, ça va. C'était comme c'est des groupes de 40-50. J'ai. Et la flotte anglaise, je sais pas où elle est passée par contre. Elle est toujours dans le sud. Elle était à Jérusalem récemment. Je l'ai pas vu. Non, je sais où elle est, c'est bon. Elle est aux îles Baléares. Mais attends, il a perdu. 840 navires. Il a perdu Venise dans l'histoire. Oui, oui. Non mais c'est moi qui l'ai pris avant de la perdre par les... Est-ce que t'as besoin que je garde mes navires ou je peux les retirer? Tu peux les retirer là, parce que là entre moi et les séparatistes, enfin les particularistes, il peut plus faire popper de... Il n'y a plus de place quoi. Tout est occupé. J'envoie mes navires à quai pour l'instant. J'adore parce que Cologne, elle aide la Bohème dans des batailles contre les révolutionnaires, elle va stack wipe en Arabie. Et 840 navires. Mais... Donc il a encore un peu de marin, quoi. Bon, moi je soutiens les rebelles de l'Ottoman. Ouais, tiens, je vais faire pareil aussi. Ah non, je vais envoyer de l'argent pour les Perses, ils se libèrent un peu. Je vais corrompre les fonctionnaires, tiens. Moi j'ai été calomnier les marchands anglais. Hein. Il y a le reliquat de l'armée ottomane qui se balade en Perse, qui tue les rebelles. Ils veulent discuter d'une paix et on tente une troisième guerre mondiale pour la prochaine session ou... Ouais, il n'y a plus le temps là. Et quoi, il reste 20 ans à peu près. Et la paix c'est quoi? C'est 20 ans, non? 10 ans. 10 ans. Pour 50% du score de guerre, c'est 10 ans? Ouais, ouais. Bah vas-y, on refait lui une offre de paix à la limite, on va voir s'il accepte. Ah ouais, 10 ans. Ah ça y est, moi j'ai les révolutionnaires scandinaves qui vont popper chez moi. Moi j'ai la toute tête qui va se relever. Pas, hein, c'est pour... Petite andouille. Voilà, l'Ottoman, il doit... Soit il est sous perfusion anglaise, soit là, il sait qu'il a perdu. Il est fini à... Là, il veut juste faire durer, en fait. Il va faire cramer son pays, et puis c'est tout. Hein. Ouais, mais moi, j'ai plus de MP, en fait. Ouais, bah c'est pas grave, on se pose quelque part et puis ton MP il va remonter là, y'a plus de guerre, y'a plus beaucoup de troupes en face de nous. Hein. Oh, je vais aller me poser plus haut, je vais quitter l'Ottoman. Je remonte m'occuper de mes révolutionnaires tranquillement. Oui. Ah, si t'as besoin d'un coup de main. Bon, sur 220 000 de MP, je suis à 84 000. J'ai pas cramé mon professionnalisme. Après, il lui reste que les armées dans le golfe persan, là. Ouais. Et il fait des invasions navales sur mon poupette. Et il attaque Chypre. Ouais, ça y est, j'ai tué révolutionnaire. Bon. Les révolutionnaires à Stockholm se sont fait écraser.
T'as dit que c'était dans le. Comment on voit l'avancée des séparatistes chez quelqu'un? Tu peux pas. Le rang. Alors c'est quoi? Perte de 50, adoption d'un nouveau régime république. Généralement les séparatistes c'est 22 mois. Si on fait rien. Tu veux que je les fasse péter les révolutionnaires là qui sont en bas de chez toi là? Ouais, si vous y arrivez, vous pouvez hein, mais. Bon, moi je quitte l'Ottoman. Hein. Putain, mais la frise est en train de dominer la Manche, quoi. Y'a plus aucun respect. L'armée anglaise qui fait pas son travail. La flotte anglaise, tu veux dire? Ouais, la même chose, quoi. Bah j'ai plus d'MP. Et t'as cramé ton professionnalisme toi? Non. Ah oui, donc tu peux voilà. Récupérer ton MP Voilà, j'ai de nouveau 365 000 hommes. Scandaleux. Bah non. C'est le russe. Y'a quoi de scandaleux dedans? Je pense que Zéland y tombera jamais. On doit l'accepter cette putain de paix. Par contre ça passe jamais à 100 là du coup. Bah si on stackwipe les armées oui. En gros faut aller chercher les armées ottomanes qui l'ont... Okay, bah je sais plus où elles sont. Je les ai perdues. Ils sont tous en faible en fait. Ah même moi je suis en faible, pourquoi? Pourquoi je perds autant? Tu sais là où il y avait des centres urbains, moi l'Estonie et puis la Laponie, il n'y a pas eu de révolutionnaire. Bon moi je crois qu'on va laisser faire les pupettes hein. Comme c'est l'IA, elle triche hein, elle voit les armées. Tiens, l'anglais en Corée, la Corée en au Japon. Oui, pourquoi pas. Ouais. Limite, je pourrais débarquer un stack d'hommes pour aller prendre les Féroé et les Shetland. Ah, c'est n'importe quoi cet anglais. Tiens, je vais tenter un truc avec l'anglais. Toi, tu veux faire une œuvre de paix séparée? Ouais. Ouais, si je peux pas se t'habiter ou pas. Hop. Bon, c'est bon, plus de révolutionnaires chez moi. Et là, on a déserté l'Ottoman. Ouais, enfin, l'Ottoman, il lui reste pas vraiment d'hommes. Ah, si, il a toujours, 10 000 hommes là à Chypre. Ouais, c'est ce que je regardais. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On contrôle les mers. Bah, on contrôle pas la Méditerranée avec l'anglais, mais. L'anglais, je sais pas où il est. L'anglais, si, il est en Méditerranée là. Si, les 900 navires, ils sont tous en Méditerranée. Ils sont où? Moi, je les vois pas. Tout à l'heure, ils étaient au large de Chypre. Il y a même pas 2 minutes, quoi. Et l'anglais a refusé la paix. Bon, l'anglais, il a pas de table. Non, l'accès militaire. Moi je me suis poussé pour que les particularistes ils occupent toute l'Angleterre. Quoique non, il vaut mieux que je l'empêche de prendre Londres. Oui, parce que les particularistes il va accepter. Toutes les provinces vont devenir libres. Ah oui. C'est pas les séparatistes. Ouais. Là. Ça commence à piquer là. Hein. Moi, j'ai repris sur Rebelle qui peut. Ça doit être pire pour eux. Hein. Pourquoi je peux pas m'y rendre? C'est pénible quand même de pas pouvoir forcer la paix, quoi. Parce que... Ouais, je crois que c'est à cause de la version. Là, ma flotte, le transport il est autorisé.
Déplacement interdit à cause d'une forteresse hostile. Mais attends, mais quelle forteresse il a qui m'empêche de venir en Islande? Mais il y a une plateforme pétrolière. Non mais je te jure, je vois, il y a aucune forteresse nulle part. Alors à moins qu'il y ait un fort. Après, j'ai des putains de séparatistes. À cause, mais il a pas de fort. Qu'est-ce qui fait que je. Mais je peux ni prendre, je peux ni aller dans les Féroé. Attends. Non, ça peut pas être celle-là. Je sais pas, je vais prendre les Shetland. Et... Ouais, des fois c'est mal foutu. Je te... Est-ce qu'il y a besoin d'envoyer mes armées quelque part ou on est tranquille là? Bah, je pense qu'on est tranquille là, mais. Les éloignent pas trop, c'est tout. Ouais, il y a la, les 180 000 Britanniques qui sont en Corée. Où ça? Bah, tu regarderas au nord de la Corée. Ah oui! Bah. Qui vient avec moi? Ouais, mes armées elles sont un peu loin. Moi je peux me mettre en marche forcée et puis envoyer des hommes là-bas. Hein. Ouais, j'ai envoyé un bataillon, tiens. Peut-être deux même. Peut-être trois. Je t'envoie, ouais, je t'envoie du canon et. Ouais. Si, j'ai plus de sous. Plus d'argent, plus d'argent? Bah, je viens de contracter un emprunt. Ouais, je suis à moins 52 ducats. Ouh! Attends, je. Comment ça, j'ai moins 52 ducats? Ah oui, mais c'est que j'ai un des subsides qui a dû arriver à terme, parce que j'ai plus que 50 en subside. Moi, je t'envoie. Moi, je t'envoie pour 50 ans. Je vais t'envoyer de l'argent. Ah oui. Oh, c'est bon, je suis riche. Je suis riche. Bah, Colonne, tu vas garder ton aspiration à la liberté, mais tu vas pas récupérer mes territoires. Comment on fait pour mettre une seule... La flotte anglaise a perdu une bataille avec ses 926 navires, c'est qu'elle doit plus avoir de marins dedans, non, peut-être? Tu vois, je crois qu'elle a perdu une bataille. Bah, en bas, là, je vois sa flotte avec un drapeau... Ou alors, elle a rejoint une bataille qui était déjà perdue. Ah, Bah, l'arabe non plus a plus de marins. Hein. Mais l'arabe, il est plus en guerre. Ouais, mais bon, il a plus de marins non plus. Bon, je t'envoie des hommes qui vont aller se balader vers Shilming. Ouais, j'ai envoyé un bataillon. Enfin, non. 4 bataillons. Dans la coalition contre la Grande-Bretagne. Pardon? Il y a le quoi? Ming, il est dans une coalition contre le... Ouais, ça fait un petit moment, je crois qu'elle est lignée. Si on pouvait stack wipe l'armée anglaise ou... En Corée, je crois que les colonies se révoltent. 61%, 52%, 59%, 60%. Ouf. Séparatiste livonien, moi. L'armée ottomane est à Chypre. Ouais, je te veux qu'il fasse. Bohème, notre fidèle a nié. Attends, l'Arabie m'a déclaré la guerre. Non, ils vont d'enfoirer. Ramenez tout. Ramenez tout à la frontière. Il faut que je vous appelle, non? Moi, je suis déjà accepté. Hein. Moi, je suis pas lié à toi, donc je pense que il faut que tu m'invites. Elle est où, mon armée? Je sais pas si c'est faisable. Je t'ai envoyé de l'argent, Black. Ouais, j'ai vu. Comment on fait Non, je peux pas. Je ramène mes hommes à la frontière avec l'Ottoman, du coup. Oh, moi, je suis occupé à descendre. Il veut jouer, on va jouer. Ah, ça c'est vraiment le truc que je déteste. De quoi? Ce genre de coup? Ouais, ouais, ce genre de truc. À mon avis, c'est Marley qui lui a dit. Comme ça, il a pu récupérer du MP, diminuer son... la lassitude. Bon, il est toujours à 12 de lassitude, hein. Après, je sais pas son MP combien il a, hein, mais... Il m'a récupéré autant que moi, non? Attends, nous avons reçu une offre de paix de l'Arabie. Vas-y, accepte-la. Hein. Attends, ouais, bah, regarde ce que c'est avant. Mais... Pour notre alliance et ils négocient pour leur alliance paix blanche. Pour l'alliance de qui? L'Arabie ou... Je sais pas, c'est seulement ce qui est marqué. Y'a qui dans l'offre de paix? Marqué quoi? Alors, chez Caillot, il y a Arabie et Mushashia.
Ouais, s'il y a juste eux deux, c'est bon. Bon, bah j'accepte. La Russie a perdu son hégémonie. C'est pas grave. Non, ouais, c'est... Ah, c'est parce que t'as fait une paix blanche que t'as perdu. Ah, non, il pouvait la demander avant la guerre. Et du coup, je peux demander l'hégémonie navale à la place, moi. Ouais, vas-y. Quand même pénible là. Je vais mourir maintenant. Hein. J'accepte pas leur paix là. Il a dit quoi? Je perds 600 par mois. Vous savez quoi? En ayant fait banqueroute. L'Arabie est en guerre contre l'Ottoman. C'est vrai? Et la Grande-Bretagne. Ouais. Qui? L'Arabe. Mais il part en cacahuète, mais c'est juste. Ouais, oh, c'est juste que c'est. Il a dit quoi, à mon avis, c'est la dernière. Dernière partie. La dernière... Oui, je connais Caillou, il fait ça, mais full troll. En attendant, il vient de couler toute la flotte ottomane. Hein. Oh, moi j'étais là aussi. Mais attends, pourquoi on est en. Ils ont monté à 3-4? Comment ça, ils ont monté à 3-4? Ah, c'est pour ça que c'était marqué que t'étais en. Oui. Non mais je pense que Alligator il... Land. Ah mais attends, qu'est-ce qui se passe avec Ah mais les... Non, ils sont pas en guerre les colonies Non, non. Empereur indépendance interdite a conclu une alliance avec notre ennemi Tacos Tacos. Ouais, oh, ouais, ça va éclater là. Ah oui, 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 il a des colonies... il a plein de colonies qui sont à plus de 50 voire 70%. Bah je suppose qu'on va attendre leur guerre, hein. De faire la paix. Bon, c'est bon, j'ai pris l'Islande, les Féroé, le Shetland. C'est n'importe quoi cette guerre. Eh, j'occupe le Japon, tranquille. T'as des séparatistes poméraniens. Ah oui, maintenant tu les as eus. C'est bon, j'ai pratiquement plus de rebelles qui vont pas. Pourtant, je suis à 20 sur 20 en lassitude de guerre. Ah, j'ai de l'argent. N'importe quoi, quoi. Surtout cet argent. Je perds de l'argent. J'étais à plus 300, je suis à plus 246. Oh, ça va. Non, moi, je suis toujours à moins 19, hein. Ah ça y est, il a fait l'appel arabe. Ouais, non mais il était... Là, Caillou, il est en troll. Bah, j'avais fait une partie avec lui, il avait déclaré la guerre 10 ans avant, quoi. Ah, c'est déjà fini? Ouais. Ah non. Bon, on a gagné la guerre, hein. Bah ouais, mais... Ça, c'était cool d'avance. Barlex est content. Tu m'étonnes. Ouais, ils ont troll, ils ont fait n'importe quoi. Bah, Caillou, oui, à la fin, je pense qu'il était vraiment... Okay. Victoire par fin de temps. Mais il a quand même de la chance qu'il appelle cet habitant. Mais ouais, mais en fait, c'est un peu chiant, du coup, qu'il appelle Stabit, parce que ça sert à rien, quoi. Pas grave, on reprend après. En gros, ça veut dire que s'il n'y a pas de stabit, ça sert à rien, on pourra jamais finir cette guerre, quoi. Non, on pourra jamais. Ah, les joueurs qui savent pas abandonner, ça j'aime pas. Hmm? Les joueurs qui savent pas abandonner. Mais c'est surtout que du coup, le seul moyen de faire un 100%, c'est quoi? C'est de trouver tous les reliquats d'armée et les détruire un par un? Non, mais bon, ouais. Je crois que c'est pas... Même à 100%... Non, et puis le problème, faudrait occuper aussi tous les territoires des dépendances anglaises aussi. Non, non, l'anglais n'est pas le co-belligérant. Non. Après, on peut envahir Chypre, hein, c'est pas un souci. Hein. Ah, mais les rebelles ont popé. Rebelles séparatistes persans. 41 000. Que 40 000.
Ouais, et l'armée ottomane est en black flag. Je vais couper mon live et puis je reviens pour le débrief. Ok. Eh bien, fin de session. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas le Stabit pour clôturer cette guerre et en terminer définitivement, mais bon, on aura réussi à avoir l'hégémonie navale finalement sur cette fin de guerre, ce qui est pas si mal. Et du coup, on profitera tranquillement de la fin de partie calmement. Donc voilà, c'était une bonne petite session sur cette seconde guerre mondiale. Je mettrai la rediff comme d'habitude dans le courant de la semaine sur YouTube. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite des bons week-ends. Merci à celles et ceux qui sont venus suivre le live. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!